I feel like God is so much bigger than the he or the she. It's like... Alors moi, comme je t'ai dit, moi, il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu commences à dire, tu commences à mettre Dieu dans tes trucs, dans tes bails. Tu commences à mettre Dieu dans tes bails, tu commences à dire Dieu est au-dessus de toutes ces histoires de hommes, femmes, etc. Mais hé hey. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, hein, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu vas aimer cette vidéo. Je te cache pas, dans cette vidéo je vais être en roue libre les gars. Là je vais être en roue libre. Si jamais t'es pas prêt, t'es un petit peu âme sensible, tout ça, t'as envie de vomir, je suis pas sûr que c'est la bonne vidéo. Que change. Vaut mieux changer parce que là je suis pas sûr. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, faire de l'oseille et aussi revitaliser le taux de testostérone. Parce que j'ai l'impression que plus personne sait qui il est. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. On sait plus, femme. Moi non plus. Ah d'accord. On est juste énergie. C'est le. Ah d'accord, c'est le nouveau truc. Bon, bref, en tout cas. Faut faire de l'oseille les gars, parce que je pense qu'à un moment donné, mettre au bout au dodo, je pense que je t'apprends rien. Je suis pas sûr que ce soit la solution sur le long terme, hein, surtout une retraite que tu vas attendre, mais je sais pas si vraiment il y a une retraite. C'est un peu bancal tout ça. Je pense que moi je préfère me faire confiance à moi que faire confiance au gouvernement. Après tu fais ce que tu veux. Bref, dans mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert. Arrête de chercher les pièges, il n'y a pas de piège. Tu mets ton email, tu recevras ça par email. Évidemment, tu rentres dans ma mailing list. Ok, pas de souci, mais tu verras à chaque email en dessous il y a écrit se désabonner. Donc tu peux y aller allègrement. Moi ça m'arrange parce que je paye. Plus j'ai des emails, plus je paye plus cher. Donc si jamais tu n'es pas intéressé, il vaut mieux que tu partes. Et deuxième chose, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Donc si tu me suis déjà, tu es déjà au courant. Ok, toutes les stratégies qu'il y a dans Pirate Marketing te permettra d'atteindre au moins les 5K par mois. Bon ben voilà, t'as tout dedans, je le dis parce que des fois il dit ouais mais j'étais pas au courant que je pouvais accéder à Pirate Marketing, que c'était 100% financé. Donc, c'est pour ça maintenant je le dis à chaque fois dans ma vidéo. Et les gars, pas d'excuses les gars, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, on peut tous chialer ensemble, on a tous galéré les gars, j'étais salarié etc. Et pourtant aujourd'hui voilà, je suis libre, ça fait plus de 3 ans que je voyage et ça fait plaisir. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te dire quand même. Ça fait quand même plaisir. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Donc du coup, on est de retour les gars pour un épisode spécial. Le retour de Jada. Jada, Spirit, aka Spirit Jezabel. Maintenant, on dit plus Spirit, Esprit de Jezabel. On dit directement Esprit de Jada. Qui revient du coup avec son émission phare. Qui n'a ni queue ni tête. Hein. Je te dis, j'en roule libre. Hein. Je le dis direct. Hein. Qui n'a ni queue ni tête, selon moi. Mais bon, qui suis-je? J'ai envie de te dire. Eux, ils ont un niveau de pensée, ils sont tellement élevés que moi, je ne comprends rien. Je ne suis qu'un petit scarabée. Comment puis-je même remettre en question leur intelligence, leur pensée qui est si profonde? C'est le progrès. Hein, on est en 2022. Ça, c'est la phase de tous les gens qui n'ont plus d'arguments. On est en 2022 maintenant, c'est fini ça. Ah d'accord. C'est fini. Homme, femme, c'est fini ça aussi. Ah d'accord. Donc du coup, il y a Janelle Monea qui partage un petit peu qui elle pense être devenue. Alors, les gars, par contre, je ne suis pas dans le jugement. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est toutes les réactions qui sont autour qui me paraissent un petit peu du n'importe quoi. Alors, allons-y directement de la petite vidéo. Hop. Lecture. I'm non-binary. Yeah. So I just don't see myself as a woman or solely or right. You know, I feel all of my energy. I feel like God is so much bigger than man the he woman. Or the she. She it's yes. Like alors moi je comme je t'ai dit, moi il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu commences à dire, tu commences à mettre Dieu dans tes trucs, dans tes bails, tu commences à mettre Dieu dans tes bails, tu commences à dire Dieu est au-dessus de toutes ces histoires de hommes, femmes, etc. Mais hé hey, hein, parce que bon, je ne te l'ai pas mis, mais juste avant, en fait, elle dit qu'elle a grandi dans une église baptiste. Donc, en gros, c'est une église évangélique. OK? Mais comment, Janelle, comment tu as lu ta Bible? Moi, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc toi, en fait, tu sais comment Dieu pense. Dieu a fait une erreur, en fait. Tu sais comment Dieu va penser, quoi. Lui, il a pris sept, Dieu a pris 7 jours pour pouvoir faire l'homme, d'accord? Et après, il a fait la femme, quand l'homme a demandé. Voilà. Hein, non, mais je sais, Janelle, t'as pas lu ta Bible, tu sais pas. C'est pour ça que tu dis des conneries. Donc du coup, tu te dis, bah non, il a pris 7 jours, tout ça, il a même pris son temps, il a attendu que l'homme demande la femme. Mais non, pour elle, Dieu est au-dessus de ça. Femme, homme, il s'est trompé. Il s'est trompé. Dieu n'a pas le temps de... Lui, elle... Mais non, ça c'est truc... Non, non. Janelle. Et ça c'est... En fait, moi je comprends rien. Parce que moi je suis scarabée. Hein. Eux, ils sont deep. Ils sont dans une profondeur de réflexion. Au-dessus même de Dieu. Hein. C'est ce qu'elle dit. Hein. Au-dessus, elle connaît. Je sais comment Dieu pense. Il n'a pas. C'est des conneries, ça, homme-femme. N'importe quoi. Oh, là, là. Et en plus, on dirait comme si c'était un truc nouveau. Et toutes les meufs, elles sont là. Oh, waouh. Oh, oh, yeah. Il n'y a rien de nouveau, là. Ce truc de acquiescer tout. On comprend pas. Donc, alors, continuons. C'est comme si je suis de Dieu, je suis tout. Je suis tout. I am everything. Les gens sont malades. Je sais pas. Ah, c'est moi, je sais, c'est le progrès, c'est moi qui capte pas, je suis pas. Pardon, je ne comprends rien, je suis qu'un imbécile. Vous avez des trucs, vous êtes tellement profond dans vos réflexions, c'est moi qui comprends plus rien. Bien sûr, tout le monde est tout. Je suis une chaise. Lui, c'est un chat. Lui, c'est un crocodile. Bien sûr, mais du coup tu es tout, mais tu peux avoir des enfants ou pas? Ah bah c'est une femme alors peut-être, si jamais tu peux accoucher, hein? Mais peut-être c'est moi, je comprends rien. Non, excuse-moi Janelle, c'est moi qui est complètement stupide, je comprends rien. Everything, but I will always, always stand with women. Yeah. I will always stand with black women, but I just see everything that I beyond, am. Yeah, oh, that's beyond, beautiful. Beyond the binary. Ces réactions. Qu'est-ce qui est magnifique là? Jada. Par contre, Jada, t'inquiète pas, elle a pas de problème, cousin. Pendant que Will Smith est en dépression, il est en réhabilitation, t'inquiète pas, Red Table, ça tourne. Hein. Y'a aucun souci. Oh, beautiful. Oh. Tiens. On dirait, mais ils sont tarés ces gens, non? Ah, mais je t'ai dit, je suis en roue libre. Non, mais honnêtement, et c'est eux les gens, c'est toutes les meufs, les gars, ils admirent, je comprends pas. Enfin, là, c'est plutôt des meufs, je pense. C'est quoi, c'est donner un espace pour que les gens puissent s'exprimer, c'est cool, les femmes modernes, voilà. Alors, voilà le mouvement des femmes modernes. Waouh, oh, c'est magnifique, oh là là. Genre, en fait, ils essaient de faire comme s'il y a un truc qui se passe, qui est super profond, une philosophie, un truc... Hein, dédicace à ce qu'on la référence, mais en fait de rien en fait. Voilà, oh waouh, oh waouh. Ça fait flipper quand même. When I see people, I see your energy first. Yeah. I don't see like how you identify. There you go. Je te l'avais dit ou pas? There you go. Et voilà, c'est parti. Et voilà, on est bon. Énergie, c'est fini ça, ces trucs de homme-femme. Mais tu peux avoir des enfants ou pas, Janelle? Ah, c'est peut-être qu'il y a peu que de l'énergie, hein? Parce que moi, je peux pas. Non. Je sais peut-être que tu souhaiterais, mais non, c'est pas possible. Hein? Donc tout ce qui est ADN, les gars, hein? Tout ça là, c'est fini ça. Ça c'était. Eh hey, non, 2022, les gars. Tout ce qui est ADN, tout ça, c'est fini ça. C'est juste de l'énergie. Au-dessus, c'est il y a personne. Hein. Au-dessus, c'est vraiment le soleil quand même. Ouh. Là, t'es vraiment dans la pesanteur. Wow. Mais c'est moi, évidemment. Pardonnez-moi, les maîtres. C'est moi qui ne comprends rien. On est en 2022. C'est vrai que du coup, tout a changé. C'est le progrès. Excusez-moi, tout est énergie. C'est vrai. Pardon. T'es mal à la tête. Ah, je vous ai dit, je suis en roue libre, les gars. Le seul enfant qui est à peu près normal de la famille Smith,
c'est le premier là. C'est je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le premier. Et tu sais quoi, je te le donne dans le mille, c'est le seul enfant qui n'est pas de Jada. Parce que quand t'es taré, ok, quand t'es dans, de toute façon, quand t'es dans les trucs comme ça là, oh waouh, oh ah, oh, oh, oh bien sûr, oh, Dieu a fait une erreur, c'est sûr, oh là là, waouh. Alors moi, si tu crois pas en Dieu, c'est pas un problème. Mais à ce moment-là, mets pas Dieu dedans. Voilà, mets pas Dieu dedans. Fais tes trucs, dis, tu veux faire tes trucs comme tu as envie, mais voilà, que voilà, mais dis pas, mets pas Dieu dans les trucs, mets pas Dieu dans tes bails. Donc là, regarde Thelma. Je sais même pas si c'est. Alors au début, je me suis dit, ah, elle est en mode genre. Elle veut soutenir sa mère. Mais non. Là, on sait même pas si c'est lui, si c'est elle. Alors c'est ok. Il n'y a pas de problème. Je veux dire. Il n'y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux. Hein. Mais je constate quand même que. Hein, trop d'ouverture tue l'ouverture. J'ai l'impression. Hein, là, on sait pas si c'est ni lui. Et elle, tout le monde est perdu. Jada a complètement défoncé cette famille. C'est clair et net, les gars. Je te le dis directement. Et j'assume entièrement. It opens you up to fall in love with whoever, with any beautiful spirit. Yeah. You know, that's so interesting. Yeah. The times they are changing. There you go. Tu l'avais dit ou pas? 2022. Le temps a changé. Et l'autre. C'est quoi ça? Bon, là, je suis le gamin, mais quand même. Le temps a changé. Ça veut dire que tu acquiesces même, toi. Tu l'as pas encore dit, mais tu sais même pas qui tu es. Oh, la pauvre. Faut la pauvre. Si elle est bien comme ça. Yes. Mais c'est pas parce que tu es bien comme ça que ça passe. Hein. Non, je valide pas. Non. Arrête. Ah. Faut arrêter les conneries quand même. Hein. Are you ready to come out publicly? Well, you know, somebody said if you don't work out the things that you need to work out first, before yourself. You share it with the world, right. Then you'll be working it out with the world. Yeah. And you don't want to like do that. Yeah. That's what I didn't want to do. Yeah. Right. So, you know, I thought I needed to have like this little piece of paper right here. It makes. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter, les gars. Moi, j'ai l'impression, les gars, que c'est trop profond, les gars. Si tu captes pas le truc, c'est que c'est trop profond. Tu comprends pas. Tu comprends rien, toi. Et t'es fermé. On est en 2022. Le temps a changé. Plus d'hommes, plus de femmes. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre ce que tu en penses en commentaire. Tu as ton description si jamais tu veux aller plus loin. Puis voilà, quoi. Attends, je vais me mettre en gros, quand même. J'étais pas en gros, là. Comment on fait? Voilà. Donc n'hésite pas si jamais tu veux aller plus loin. Il y a mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 une semaine. Ok, c'est gratuit, c'est offert les gars. Tu peux y aller. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Je pense qu'il faut que tu choisisses là.